Ah bah, vous voulez rentrer de nuit? Bah, bien sûr, on tente un petit est-ce rush, que, là. Est-ce que vous avez bien mangé? Oui, je suis à fond. Oui. Oui. T'es à fond en bouffe, Axel? Non, mais... Bah, bah alors, c'était manger. Ça la question, Axel. C'est... Ok, vous me suivez? Tu sais où c'est? Ouais. Précisément, sans qu'on... Je cours. Ok, je te suis, c'est parti. Attention, il y a du creeper, il y a du machin, on y va. Vous fermez les yeux. J'essaye de courir, j'ai un peu... Ah bon, tu cours, papa? Ah, je vous suis, je vous suis. Mais moi... Non, mais nous, on te suit, on sait pas où c'est. Suis papa, Axel, Axel, Axel. Axel. Oh, 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 il y a un... Oh! Eh, mais t'as raison, il y a un village. Allez, mais je suis trop fort, mais je vous l'avais dit. Non, mais attends, on rentre à la maison. Attendez, ou alors, est-ce qu'on... Axel, mais qu'est-ce que tu fais? On va au village ou quoi? On va au village. Allez, on va au village. Excellent! Il y a des coffres là-bas. Vas-y, il y a même une église, quoi. Une église... Eh, je vous l'avais dit qu'il y avait des villageois ou quelque chose comme ça. Excellent! Attendez, j'ai une araignée qui voit. Y'a un truc souterrain. Tuons les. On fait un gangbang. On tue tout le monde. Ok, on a tué tout le monde, vous inquiétez pas. Y'a un souterrain. Axel a trouvé un souterrain. Vas-y, descends. Oh, attendez. Oh là 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 là. Attendez, torche. Mais je peux plus monter. Bah, c'est pas possible. Théo, t'es là? Axel, t'as ouvert trop vite là. Ça aurait pu être explosif. Désolé, y'a rien de. Il y a un livre enchanté. Attendez, c'est un livre. Je vais le prendre. Parce que peut-être qu'on va apprendre des choses. Je prends la bibliothèque. Attendez, j'ai trop de trucs là. Je sais pas quoi enlever là. J'ai des poissons, c'est important les poissons. Bon, alors, le livre. Prenons le livre. J'ai choisi la bonne maison. Vous avez fermé Doug la est à moi. Les gens veulent Doug. Mais ils n'auront jamais Doug. Tout le monde est après Doug. Et je le déteste. Oh là là, c'est quoi cette histoire? C'est on dirait un journal en fait. Ah, faut qu'on trouve Doug. Doug is mine. Forever I shall be with Doug. Ah, je sais pas si ça parle d'un certain Doug. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas. Doug, ça doit pas être une personne, je suis sûr. Bon, je remets Doug. Comment il en parle? Ouais, je sais pas. Reprends Doug. Bah, le livre là? Je le garde? Ouais. Bon. Bah prends-le si, toi. Comme ça. Les garçons, on va se disperser. On se retrouve dans cette maison dès qu'on a tout fouillé. Allez, okay. Bon, fouille. Allez. Ok, on se. Exact, t'as raison, Axel. Séparons-nous, on va explorer ce village. Eh, ça fait du bien de trouver un village. Trouver d'autres gens. Bah, je sais pas, tiens, j'ai trouvé un villageois. Gugu. Pour 3 émeraudes, il offre une selle. Bon, écoutez, regarde, est-ce qu'il propose d'autres offres? Non. Bah, enfin, j'ai pas eu le temps de regarder. Ah, coucou, et toi? Des chevaux et des ânes. Bah, où ça? Ah, génial. Où ça? Coucou, il faut les kidnapper. Ah! Non, je l'ai fait. Il y a assez de chevaux pour tout le monde, papa? Je sais pas. Et c'est surtout que l'âne, on va pouvoir lui faire porter des trucs, non? Oh, génial, un petit âne! Surtout, il y a un sniper dedans! Attendez. Attends, on va lui faire la peau. Théo! Il y a un mec! Théo, viens, je vais te montrer le villageois, on va pouvoir prendre des selles. Il vend du quartz! Théo, viens! Je vais te montrer le villageois, on va pouvoir prendre des selles. Ok, j'arrive. Ah, mais j'avais une selle, moi, tiens, je vais en mettre une là. Enfin, j'avais Non, j'avais. C'est pas une selle que j'avais, c'était un. Attends, ça là. Donne-lui-en 6 pour qu'on ait 2 selles. Attends, mais ils vendent des trappes. Oh, la classe! T'as vu mon cheval? Non, ils vendent des selles tout à l'heure. Moi, je l'ai vu. Bah, vas-y, fais clic droit sur lui, dis-moi. Ah oui, des trappes. Mais pourtant. C'est pas lui, c'en a un autre. Ah, ça doit être celui-là, alors. Vous êtes où, là? Vous avez trouvé quelqu'un qui vend des selles? Ouais, c'est celui-là, Théo. Attends, crie pas, Axel, crie pas. J'arrive. Ouais, c'est lui. J'arrive. Donne-lui 6 émeraudes pour qu'on ait 2 selles. Attends. Bonjour, monsieur. Attends, il vend plein de trucs, selon le nombre d'émeraudes que tu donnes. J'arrive. Il vend des armures, désert, rebelle, boots. Oh, on peut avoir le style, comme ça. Oh, Théo. Mais non, mais il vend du... Qui c'est qui m'attaque? Ah, merde, c'est moi, j'ai... Non mais papa, mais c'est grave. Je me suis trompé. Mais on va mourir. Attends, mais je vais crever. Non, c'est bon. Putain, mais papa, mais t'es vrai. Je voulais lui parler. C'est parti d'un coup. Non mais papa, mais t'es sérieux, mais...
Et en plus, il rigole. Non, mais moi, je suis une génération, je m'en fous. Non, je la garde, c'est bon. Bonjour, t'as, excusez-moi, t'as, monsieur. Vraiment, eh, vous, et vous achetez des selles? Moi, je... Bah, super, Gélane, super. C'est dégueulasse. Allez, eh, t'as mis, vous avez mis une selle sur l'âne aussi? Papa, je veux le cheval stylé. J'ai pas de selle. Mais Théo, t'as mis 3, t'as pris 3 selles, rassure-moi. Tiens, je te donne une selle. Mais non, mais mets-les partout. Bah, c'est toi là, ah, le. Tu mais je sais pas si ça. Si... Bah, je vous donne une selle. Tu es le palefrenier, tu mets les selles partout. Allez, c'est parti. Mais tu sais ce qu'il te dit, le palefrenier. Allez, c'est parti. Très bien. Ah, et moi, lui. Je prends le cheval stylé. Papa, et t'as mis sur l'âne? Est-ce que t'as mis sur l'âne? Non, il pense qu'à lui, il a pas été s'occuper de l'âne. Mais j'arrive, petite âne. Ouais, c'est ça, ouais. Je m'en fiche, je veux prendre le cheval stylé. Et est-ce qu'on peut monter dessus avec des coffres? Ou on peut mettre que des coffres? Ah oui, il faut qu'on fasse brise des coffres pour qu'ils transportent tout ce qu'on a en trou dans nos coffres. Pour moi, je prends l'âne, moi, je prends... Ah, je peux pas sortir. Il faut casser la porte. Attends, papa, non, descends, parce qu'on va... Faut casser la porte, je t'ai dit. Et comment on fait des... Par contre, on n'a pas de cordes, c'est dommage. Mais il nous faut du bois. Pourquoi il faut des cordes? Qu'est-ce que tu racontes? Bah pour les tenir, pour les traîner si on a besoin. Ah, t'es beau sur ton âne, Théo. Bah, je vais prendre la paille, parce que ça peut toujours être pratique. Oh yeah. Mais c'est génial. Papa, avec ton âne, t'es trop stylé. Ouais, t'es génial. Oh là là, c'est moi qui me tape l'âne, quoi. T'as un style assez particulier. Ouais, ça va. J'ai dit particulier, je suis sympa. C'est Shérif David. D'accord. Allez, rentre ton cheval, cowboy. Ah mais merde, j'ai pété la porte. Pareil. Eh ben, je pense que. Moi, j'ai un lasso. Pourquoi t'as un lasso, toi? J'ai dû jeter la porte quelque part là. Est-ce que on peut la récupérer? Bah en fait j'ai trouvé ça dans mon inventaire. Du coup je la mets là. Oh bonjour monsieur villageois, vous avez quoi à proposer vous? Papa ton âne, pourquoi tu l'as pas rangé? Attends mais je vais mettre la porte là. Hop, c'est tout, ils sortiront pas, t'inquiète. Regarde, mais moi c'est pas la peine, il a un lasso. C'est pas la peine, il a un truc. Ah bon? Ouais. Bah Axel elle lui a mis un lasso. T'avais ça toi? Attends, mais bah j'ai trouvé ça dans mon inventaire. Bon, et faut qu'on explore un peu le. Voir s'il n'y a pas des trappes comme tout à l'heure. Parlez aux villageois pour voir s'ils proposent des trucs intéressants. On s'en fout du quartz. C'est très décoratif. Super, ça me fait une belle jambe. Tu sais pas apprécier la beauté. C'est rêvable. Ok, où j'en étais moi? J'en étais. Oui, on va voir le gars là qui vendait des tuniques là. Est-ce que. Mais il faut pas. Bah il était là. Vous. Il était. J'y suis moi. Vous avez pas de mémoire les gars. C'était là. Non. Oui. On va lui acheter des tuniques stylées. Non, c'était pas là. Bonjour monsieur. Si, c'est là. C'est l'autre porte, pardon. Il vend pas de casque par contre. Bah allez. Théo, t'es déjà. On peut pas regarder. Bon allez, prends les tenues. Je vous achète des tenues. Eh bah tu prends 3 tenues, allez, c'est parti. Les tenues de bédouin sont bof quoi. Mais si, ça fait. C'est les tenues de rebelles. Ouais, c'est ça, on est Axel avec son bandeau, ça le fait trop. On est des rebelles. Ah oui, Axel, c'est la seule qui est. Comment Axel, dire regarde-nous. Qui est crédible. Hmm de ouais, quoi? C'est pas mal, ouais. Ouais. Moi, par contre, je ressemble à rien. Bon, ok. Bah, si tu ressembles à hyper déguisé. Oui. Attends, je retourne dans l'autre maison où j'ai laissé la table de craft parce que moi, on va faire des lits là. Ne me laissez pas tout seul. Je suis nous. Je trouve que ça fait plus roleplaying comme ça, tu vois. Moi, je fais penser à un shérif. Prends le coffre, pourquoi on n'en met pas le coffre? Ah oui, mais on a plus de bois. Vous avez personne à de bois? Non. Oh là là. Mais attendez, les maisons sont faites en bois, vous. Ah bah voilà, il me faut du bois, il me faut des planches, Théo. Attends, j'ai dit les maisons sont faites en bois comme un abruti alors qu'elles sont faites en... Tout en... Ouais, super, bravo. Bah ça va, ça va. Ouais, formidable, j'adore dès votre... Dès demain, nous prenons nos chevaux et repartons... Nos chevaux. Nos chevaux, c'est bon, ok, tu me juges pas. Attends, je maîtrise un creeper. Vas-y, maîtrise le creeper, moi je retourne me cacher dans la maison. Oh, c'est dommage c'est qu'on... Bandelage. Alors, je refais ma phrase qui était super stylée, papa. Ouais. Je refais ma phrase qui était super stylée mais que tu m'as gâchée. Ouais. Je disais donc.
Demain, nous reprendrons la route. Nous reprendrons dans le vent et vers l'horizon. D'accord. Moi, je suis un peu embêté, enfin, c'est que on a plus de bois. Personne n'a de planches, personne. Vraiment personne. Rien, net, nada. Ça, c'est pas cool, par contre. On est dans le désert. Rien, net, nada, nani. Faut qu'on rentre à la maison ou pas? Ouais, moi je suis d'accord. Mais on prend les chevaux, Allez, on va chercher les chevaux. Attendez, faut que je mange. Axel, oublie pas de manger, hein. Roxy, je vais appeler Roxy. C'est quoi, ton cheval? Tu vas l'appeler Roxy? Roxy! Attendez, j'ai une épée à one shot les araignées, quoi. Et toi, tu l'as appelé comment? Passe-nous-fi, papa. Bon, on attend Théo. Qui arrive? Mon cheval! Viens donc ici. Tu es le plus beau des chevals. Allez, viens, Roxy, on y va. Allez, c'est parti. On se barre. Allez, au galop. Je vous suis. Papa, c'est par où? Oh, ils ont pas intérêt à tuer mon cheval. Hein. Sinon, je les tue moi aussi. T'inquiète pas, il faut bien. Et tu vois mes bougies, qu'elles sont bien, que c'était une super idée. Mais oui, mais depuis le début, c'est une super idée. Alors. Regarde, ce sont des phares dans la nuit. On n'a jamais contesté l'autorité de tes bougies. Hein. Ah, ça c'est bien, ça me plaît bien quand j'entends ça. Et c'est même moi qui leur ai donné leur nom. C'est vrai. Ah, on va retourner dans notre hacienda. Ah, c'est cool. Oula, deux creepers, une araignée, un zombie. Et ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu par là. Je vois l'arbre et l'oasis. Ok, tout droit. Mais avec deux zombies devant. On fonce. Et je vois nos lits. Papa, est-ce que je vais m'accrocher à un arbre? Écoute, accroche-toi un arbre. Je vais rentrer à la maison, on va faire dodo. Allez, vite fait, n'entraîne pas. Viens là. Celui qui touche à mon bébé, il est mort. Oh non, ça marche pas. Essayons. C'est dangereux. Axel, t'es où là? Ah la vache, y'a du creeper partout. J'essaie de trouver un endroit où l'accrocher. Bah, allez, accroche-le sur un arbre, ça marche pas? Touche pas les cactus, mon ange. Attendez, j'arrive avec une panoplie de monstres derrière moi. Non, mais touche. Papa, ton âne touche les cactus. Mais papa, il est con. Ton âne est en train de mourir. Ton âne est en train de mourir. Oh, il est bête. Mais il est stupide. Bah, c'est un âne. Alors, papa, il faut qu'on fabrique des enclos immédiatement. Où est ton âne? Là, je pose le. Ici, là. Oh, ok. Je vais le chercher. Il est là-bas, je le vois. Il est là-bas, il se barre, mais c'est pas grave, je vais le récupérer. Il faut qu'on. Axel, trouve du bois, il faut que tu fabriques des enclos. D'accord. Le temps, je vais l'accrocher. Papa, est-ce que t'as pas une barrière? J'ai que dalle. Même pas une toute petite barrière? Par contre, je sais pas comment on fait pour manger. Ils mangent tout seuls? Oui, mais ils ont pas besoin de se nourrir, eux. Bah si, ils ont des cœurs et tout, là, comment ils font pour les. Bon alors vous en sortez ou pas? Je sais pas, tu leur donnes des pommes. Moi il faudrait juste une toute petite barrière, ça se fait très facilement, tu peux pas faire ça. Bah, il te fait avec un stick. Bah il me faut une hache déjà, j'ai pas de hache. Où sont les haches? Y'a pas de hache? J'en mets une dans le coffre. Une hache, ok c'est parti. Vous restez à côté de moi. Oh c'est pas mignon. Oh là là, on est pas mal. Dépêche-toi parce que l'âne il est en train de se barrer là. Et lui il est têtu comme une mule. Et mon cheval à moi, il est où? Bah à ton avis pourquoi? Alors où est-ce que je mets ça? Bah tu fais un tour ici là, tu fais un tour par là. N'importe où pour que je puisse mettre la corde. Tu le rentres d'abord dans l'enclos, Axel. Non, mais là c'est pour que je fasse l'enclos. Papa, tu sais il y a un truc qui est assez cool, ça s'appelle une pelle. Chut, laissez-moi faire, je suis occupé. Bon alors tu fais un enclos là comme ça là, allez, vite fait bien fait là. Papa, Théo s'il te plaît. On pousse les chevaux et puis c'est bon là, allez. C'est marre, allez on y va. Attends. Ouais, très bien, ouais. Non, mais tu fais n'importe quoi, là, en fait, là, hein, dis-moi. Oui, mais j'ai pas de hache non plus. Attends, si, c'est bon. Papa, toi, tu devrais mieux aller t'occuper de ton âne. Attends, mais je vais te montrer comment t'es... Enfin, attends, j'ai quoi? J'ai trois, là. Là, il faudrait passer là, tu vois. Tac. 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 Et puis faire le tour, là, tu vois, que t'es un peu... Voilà, tu reviens par là. Papa, je ramène ton âne. Ah, c'est gentil, Axel. Et en même temps, j'ai mon cheval en laisse. Attends, je tente un truc. Si je prends mon cheval. Attends. Faut faire plus grande la porte. Axel, elle la ferme avant de partir. C'était très. Normalement, tu passes, Théo. Pas normalement, j'ai tu pas passes, fermé. Théo. Pousse-toi, Axel.
T'as qu'à sauter. Si, t'es sûr que ça passe pas? Du tout. Non. Vas-y, t'as qu'à sauter. Et t'as essayé de sauter? C'est ce que j'essaie depuis. Alors, si, c'est bon. Bah alors. Il faut faire le méga saut. Vas-y. Voilà, très bien. Mais du coup, faudra tout le temps laisser fermer. Ok, c'est fermé. Sauf quand nous, on veut sortir, quoi. Ah mais ferme. Voilà. Ah, très bien. Ça va, Roxy. Et toi, Baba, tu vas l'appeler comment, à part Snoofy? Non, mais je sais pas. Moi, c'est un âne, hein. Je sais pas comment le... Ah que ça... Excuse-moi, tu passes devant. J'essaie juste de récupérer la laisse. Ok, il y en a un qui arriverait à s'enfuir. Bon, ok. Bonne idée de garder la laisse. Très bien, Axel. Bon, maintenant, l'idée, hein. On est stylé dans nos tenues comme ça de rebelles. Axel, remets ta tenue de rebelle. Nous sommes les rebelles du désert. Mais si. T'es pas une rebelle du désert, là. Moi, à la maison, j'aime bien être plutôt... Détendu, quoi. Ouais. Ah, t'es pas en mode rebelle, quoi. Bon, c'est comme quand je rentre de l'école, j'enlève mes chaussures et je me fais un petit jus de fruits. ce que je vous propose... Ah, tiens, l'âne, je vais lui mettre des coffres, tiens. Puisqu'on a des coffres, je vais essayer. C'est comme ça, on pourrait transporter des trucs et tout. Et toi, papa, toi, tu m'appelles comment? Faut donner un nom à ton âne. Et toi aussi, t'es ouf, donner un nom à ton... Regardez. Quoi? Bah, ça y est. Je viendrai voir après, parce que j'ai... Par contre, je sais pas moi, comment... Moi, je vois dans l'eau. C'est génial. Et comment on fait pour lui mettre des trucs? Comment on fait? Mettre ça au cheval. Allô? Ouais, excuse-moi. Oui. Et comme, vous savez comment on fait pour mettre des trucs? Papa, tu me passes un coffre. Comment on fait pour mettre des trucs? Bah faut faire clic droit dessus, je crois. Bah clic droit, je monte. Et après tu fais E, appuie sur E. Ah ouais. Oh, bah tu es trop fort, fiston, c'est excellent. Je suis créative et en plus j'ai déjà trouvé son nom, moi. C'est à quoi le nom de ton cheval? Roxy, mais d'accord, c'est Roxy Rookie, quoi. Non, Roxy, parce que j'aime bien ce prénom. J'ai toujours rêvé de donner ce prénom. D'accord, ok. Ah, on le voit, le petit nom, Roxy, c'est mignon. On voit le cheval Axel. Où sont les pommes? Je les donnais à manger. Comment ça, on voit son... Moi, je le vois pas, son nom, par-dessus. Bah, c'est normal, t'es pas dans le bon angle. Ah, d'accord. Je veux dire, j'ai mis des diamants et du fer. J'ai rajouté des diamants, du fer et du bois. Voilà. Ce que je disais, enlève la pioche, en fait, parce qu'on la fabriquera. Exactement, c'est compris, mon lapin. La TNT, je pense qu'il faudrait qu'on l'ait sur nous. Ça, c'est toujours pratique d'avoir sur nous. Est-ce que l'émeraude, on continue à en emmener ou quoi? Bah ouais, si jamais on retrouve un villageois et tout ça, c'est toujours utile. Hein. Un vilain villageois, t'as raison. On va pouvoir échanger avec lui, avec ses manants, avec ce qu'ils ont à nous offrir. Attends, vas-y papa, je te donne du fer, tu pourras en mettre un peu plus. J'en ai 54 déjà, donc c'est peut-être pas la peine... On peut encore mettre 10, quoi. Allez, encore 10 et c'est bon, quoi. Je t'ai donné 14, tu me redonnes le reste à la limite. Tiens, voilà. Les garçons, regardez ce que j'ai fait pour les chevaux. Attendez une minute. Alors combien... Il nous reste 3 places. Et ça veut dire qu'il reste encore toutes les patates à mettre, ce qui me plaît bien, moi, ce qui me plaît carrément, moi, je dis même. Vous trouvez pas que c'est incroyable ce qu'on a fait après? Imaginez-vous au début qu'on n'avait rien du tout et regardez maintenant, quoi. Ah bah là, quand tu regardes la vidéo du début, tu te dis, mais waouh, quoi. Au secours, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Wait. En fait, on est des constructeurs de l'extrême, quoi. Papa, des constructeurs extrêmes, je sais pas. Papa, quand t'as dit petit poney, quand t'as dit petit poney. Ouais. Quand t'as dit petit poney, ça m'a rappelé une chanson qui nous faisait toujours rire à l'école. Tu sais, c'est quoi? Non. Attention. Petit poney. Il est tout gris, tout petit, petit poney. Petit poney. C'est tout. C'est trop drôle parce que c'est un gars. Non, il y a d'autres choses. Mais il y a rien de drôle là. Il gambade dans le pré. Il gambade dans le pré, après je sais plus. Ah ouais, mais j'étais prêt moi. Non, mais je te jure, c'est un gars de la classe qui l'a chanté, du coup maintenant c'est resté. Hein. D'accord. Allez, brûlez. Brûlez, bande de... Incapable. Ça se stack pas, Lélie? Non. Vas-y. Chacun son fils. Théo, Plumard. Je vais essayer de faire quelque chose de stylé. Mais je vais peut-être. Alors, je vais peut-être. Attends. Non, Axel. Non, ne tente rien. Je vais pas. Voilà. Je vais essayer, t'en fais pas. T'en fais pas, je vais sauter assez haut. Qu'est-ce que tu veux faire? Si jamais je me rate, t'en fais pas. Non, mais tu vas pas t'asseoir dessus direct, Axel. Je vais essayer. T'en fais pas, je vais pas mourir. Allez, vas-y, je me marre. Allez. Bim. Allez, voilà. Attends, j'ai envie d'essayer. Ça a l'air débile, mais j'ai envie d'essayer. Attendez, vous allez directement... Vous pensez que vous pouvez directement vous asseoir sur votre canasson? Attendez, je me positionne. Ok. Oh, vas-y. Non, tu l'as fait. Oui.
Ah mais je veux revoir, purée, c'est pas possible. Attends, j'ai réussi. Non mais j'ai pas vu. Attends, je te remontre, je te montre le talent. On fait tous les deux. Allez, on fasse tous les deux. Allez-y, c'est pas grave. Chacun son cheval, c'est parti. 1, 2, 3. Excellent. Ah non, là... Attends, j'ai mal fait. Allez, alors, t'es prêt? Allez, vas-y, fais ton saut, là. Mais il est trop loin, ton cheval. Non, mais pourquoi il s'est positionné? Bon, toi, tu vas le mettre là. Quoi? Voilà. C'est bon, on y va, là. C'est parfait, non. Ok, donc on attend qu'Axel réussisse de monter directement sur son cheval en sautant du toit. En sautant du toit. T'avais qu'à filmer mon premier saut. Ouais, allez, allez, dépêche-toi de de monter sur ce cadasson. Oh, et tu me fais les choses bien, Axel. C'est parti. Bien. Allez, on se barre. Hein, n'est-ce pas? Bravo, bravo. Vous m'impressionnez. Je pensais pas que c'était possible. Je suis. Allez, on y va. Allez, papa. Allez, c'est parti. Pourquoi la porte est ouverte? Qui? C'est pas grave. S'en fout, y'a personne. Allez. Mais putain. En fait, ton âne, il trace. Eh, t'as vu ça? Plus vite que les chevaux. Et je suis chargé en plus, hein. Et attends, j'accélère, regarde. Là, tu me calcules plus, là. Et il a récupéré ses cœurs quand même, ça c'est pas mal. Parce que tout à l'heure il s'est pris une décharge de cactus sur la tronche, il a pas trop apprécié le pépère. Attends. Allez Roxy. Je suis en retard. Mon cheval est le plus lent de tous les chevals. Ouais c'est ça, ouais. Espèce des chevals. Les chevals. Est-ce que c'est son armure qui le ralentirait? Le cheval c'est vraiment génial. Je sais pas. Surtout en lasagne. Ah t'es loin toi. Désolé. Ouais mais il est long. Mais on dirait que tu t'es sur une trottinette sans rigoler là. Papa. Un cheval à bascule. Mais moi quand je regarde j'ai l'impression d'être un cheval à bascule. Et accélère. Et j'accélère là. Mais je sais pas où est Axel par contre là. J'ai moi, perdu. Je Axel. Bah on t'a perdu de vue. J'espère que tu n'es pas perdu. Je suis à la bougie. Mais pourquoi vous allez tous plus vite que moi? Bah je sais pas, moi j'accélère, hein. T'as un bouton pour accélérer. Théo, est-ce que tu sautes quand il y a juste un cube d'obstacle? Moi je saute pas, hein. Bah si tu le faisais, fallait pas. Parce que t'as pas besoin. C'est pour ça que je t'ai dit que je le faisais pas. Eh hey, sans rire, on est bien sur nos chevaux. Et c'est moi qui... Oui, vous liez pas l'âne, mais l'âne. On peut stocker dedans et en plus il est super gentil et on va où on veut avec l'âne. Oui bah, c'est pour ça qu'on voulait te laisser. Et moi mon cheval... Il s'appelle Roxy, il est magnifique et je l'adore. Il faut qu'on explore ces montagnes. Vu la taille et vu ce qu'on a trouvé déjà. Papa, ouais. Je sais ce que je veux pour mon anniversaire. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Je veux une armure en or pour Roxy. D'accord. Pardon, en argent, en diamant je veux dire. Je veux une armure en diamant pour Roxy. Le cheval c'est génial. Ou pour Noël, tiens. Oui, puisque Noël approche. Le mode Noël. C'est pas beautiful, ça? Serait-ce quelqu'un ou quelque chose? Ouais, je ne sais pas, mais là, je vais descendre de mon canasson. C'est un couloir. Attends, Théo, il ouvre comme ça, on est même... Oh, il y a quelqu'un. Salut. Bonjour, monsieur. Bah super, j'ai l'âne, super. C'est dégueulasse. Vous avez mis une selle sur l'âne aussi? Papa, je veux le cheval stylé. J'ai pas de selle. Mais Théo, t'as pris 3 selles, rassure-moi. Tiens, mais non, mais mets-les partout. Bah c'est toi là, tu je sais pas si ça... Bah je vous donne une selle. Tu es le palefrenier, tu mets les selles partout. Allez, c'est parti. Tu sais ce qu'il dit, le palefrenier? Allez, c'est parti. Très bien. Et moi, lui. Je prends le cheval stylé. Papa, et t'as mis sur l'âne? Est-ce que t'as mis sur l'âne? Non, il pense qu'à lui. Il a pas été s'occuper de l'âne. Mais j'arrive, petite âne. Ouais, c'est ça, ouais.